acheté. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdaq. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Chez Cartier. Donc en fait, tu peux personnaliser les verres. Donc là, on a déjà fait une personnalisation. Donc en fait, on a mis ce verre. Deux modèles. L'acheter. Aujourd'hui, regardez. Je suis au paradis. Au paradis des lunettes. Là où tu pourras trouver tout type de marque, tout type de lunettes différentes. Là, regardez, c'est des lunettes de vue, là, chez T. Et il y a vraiment toutes les marques et tout style. Là, c'est du Givenchy. Tu peux avoir des modèles comme ça. Tu peux avoir le modèle que je porte. Tu peux avoir le modèle que 4BDV kiffe. Regardez. Oh, je vais vous expliquer pourquoi c'est le paradis des lunettes. Le concept, il est juste incroyable. Là, j'aime bien. T'aimes bien, là? Ben ouais, je suis malade. Parce qu'il y a des lunettes de vue, mais aussi des lunettes de soleil. Mais quand je vais vous expliquer, vous allez me remercier à la fin. Hey, je les ai déjà partagées, mais je suis jamais venu. Et franchement, depuis tout à l'heure, avant que je commence à snapper, je suis un peu choqué. Même moi, je vous jure que je m'attendais pas à un tel décor. C'est vraiment classe, beau, propre, et il y a vraiment tout ce qu'il faut, là où il faut. Ça, c'est que les lunettes de vue, et là, si on bascule par là, regarde. Regardez, là, il y a un ophtalmo. Un ophtalmo, c'est le docteur des yeux. Et là, juste derrière, il y a la boutique. Il y a deux secondes, j'étais à l'intérieur. Du coup, la chaîne, tu as juste à aller chez le docteur des yeux, qui est juste ici, à 15 mètres. Il te prescrit une correction. Tu viens derrière, avec ta mutuelle, tu repars avec une paire de lunettes gratuites. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Docteur des yeux, prescription, lunettes mutuelles gratuites. Mon coup de cœur, c'est les lunettes Cartier et Fred. Et si vous regardez bien, regardez, tu peux te les faire personnaliser. Je sais pas si vous voyez, c'est magnifique. La machine, elle est juste derrière. Et c'est pas tous les opticiens qui ont le droit de vendre du Cartier et du Fred. Eux, quand je vous dis qu'ils ont, il faut un maximum pour avoir toutes les marques personnalisées en face de l'ophtalmo. Regardez, ma mère, là, elle va prendre une paire de Fendi. Mais elle doute entre celle-là et celle-là. Morgane, elle lui a dit de prendre celle-là. Moi, je lui ai dit de prendre celle-là. Ah, qui m'a dit, hé, hé. Balenciaga. Prada. Là, on a du Gucci. Versace. Quand je vous dis qu'il y a vraiment toutes les marques, c'est qu'il y a toutes les marques. Eh, j'ai flashé sur cette paire. C'est une paire Cartier. Je vous jure que moi, de base, j'aime pas trop porter des lunettes. Mais celle-là, j'aime bien. Je vous jure que celle-là, même tu portes une capuche, sans capuche, regardez, pam. C'est son entraînement, il a encore un combat. Mais la chaîne, là, il est en train de s'entraîner. Regardez, au quartier, plus personne ne calcule. Voilà qu'au quartier, plus personne ne prend au sérieux. Il va encore combattre devant des milliers de personnes le 17 février, mais tout le monde ne croit plus en lui. Je suis encore le seul à croire. Même moi, je crois plus en lui. C'est cruel. La vie, elle est cruelle, la chaîne. Sarah, elle est venue ici pour 4BDV. Et il t'a pas calculé. Non, il ne calcule pas du tout. Il t'a même pas dit bonjour. Et regardez la chaîne. 4B, il est posé là-bas avec ses potes. Regardez, il est là, 4B. Et même pas, il lui a dit bonjour à Sarah. Mais ça se voit, il a d'autres gadjis. Ça se voit, il a d'autres gadjis. T'es persuadé qu'il... qu'il parle avec d'autres meufs? Il a le comportement qui fait que... Je vais aller le voir. La petite, Viens, viens. Viens, n'aie pas honte. Voilà. La petite, voilà. Elle est venue pour toi. Elle s'est fait belle pour toi. Et tu la calcules pas, tu restes avec tes soi-disant potes. Et alors? Comment ça, et alors? Mes potes avant tout le monde. Tes potes avant tout le monde. T'as dit quoi? Bah t'enverras des DM à tes potes. Et franchement, elle a raison. A respecter la petite, voilà, elle a 17 ans, mes frères, voilà, vous n'avez pas honte. Qu'est-ce que tu veux, toi? Lâche-la, fils de pute. Elle a 17 ans, la petite. Elle tourne pas autour d'elle. Regardez, s'il vous plaît, au quartier. On peut même plus marcher sur les trottoirs. Voilà que c'est juste. Je paye mes impôts, mais regardez. Mais regardez tu ça. Tu payes tes impôts? Oui. T'as déjà travaillé?
Non, mais jamais, mais les autres. Les autres français, voilà, oui, voilà, ils payent parce que toi, t'as jamais travaillé, mon ref. Mais regardez la chaîne. C'est incroyable ça. Les éboueurs, ils sont en grève. 1h du matin. Voilà, il est 1h du matin, ils jouent au foot comme s'il était 14h. Les gars. Venez tous là. On va faire un truc de très très bien. Je vous donne tous de l'argent, mais vous rentrez tous à la maison. D'accord ? Allez, 20 euros à la maison. Merci. À la maison. Merci, Nasda. Wow, t'es le seul qui a dit merci. Allez, 20 euros à la maison. Merci. À la maison. Donc voilà, c'était la story du jour de Nasdas, les actus de la team Nasdas avec 4 BDV qui calcule plus sa nouvelle petite amie. Et bon, ça arrive des fois de rester entre potes, voilà. Faut accorder quand même un peu du temps à sa nouvelle petite amie. Et Samos qui arrive comme un crevard. Non, Samos, t'as pas le droit. Par contre, il a le droit de faire un combat de boxe. À savoir, il me semble qu'il a gagné aucun de ses combats depuis qu'il a commencé la boxe thaï. Peut-être le premier combat, peut-être il a gagné, non ? Contre la meuf. Premier combat, c'était contre la meuf. Je crois qu'il a gagné ou il a perdu, je sais plus. Faudrait que je regarde les stories, justement, si je l'ai publié, celle-là. Le deuxième combat, il avait perdu. Et là, on va dire jamais 203. jamais 203. Donc, Samos, voilà. Et Michou, mais il me semble que Michou, il était ferrailleur. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de ferrailleurs qui déclarent qu'ils payent leurs impôts. Donc, quelque part, ils ne cotisaient pas. On ne peut pas dire qu'ils ne travaillaient pas, vu qu'il était ferrailleur. C'est grâce à la ferraille, il ramasse la ferraille blanche pour faire de l'or, après qu'il donne à son fils. Mousse qui s'est fiancé très jeune, à 16 ans, pratiquement marié à 16 ans, mais c'est comme ça chez les gitans en général. Ils se marient jeunes, voilà. Tout simplement, ils sont très communautaires en général. Voilà. Donc, et les lunettes, d'ailleurs, moi, il faudrait que je passe. Ça y est, j'ai la presbytie. Ça y est, je suis devenu un vieux. Ça y est, il faudrait que je passe faire. Je dois faire une consultation et. Voilà, mais j'ai reçu un truc de réduction. Je vais voir, j'ai pas de mutuelle, malheureusement. Parce que j'avais payé des années de la mutuelle pour tout ça, pour un détartrage que finalement. Pour rien. Et aussi, ouais, pour une extraction de dents. J'avais deux molaires cassées. C'était un accident de scooter, j'avais tapé sur le côté. Et finalement, même la dentiste m'avait dit que finalement, ça coûtait pas très cher une extraction de dents. Pas dedans, ni à l'extérieur, ni dedans, ni à l'intérieur, ni dedans. Donc, mais pourquoi je parle des dents, moi? Je vois plus de près, ça commence. Ah, ça y est, je suis devenu vieux maintenant. Faut que j'arrête d'écouter de la musique. Faut que j'arrête de faire la fête. Faut que j'arrête. C'est pas de mon âge, tout ça. Faut que j'arrête tout. Ça y est, je suis vieux maintenant. Faut que j'aille à la maison de retraite. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis des potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus et les infos des influx. Tchuss et à plus.